Bonjour les amis et bienvenue sur Electric by Franco. Aujourd'hui, je voulais vous faire part d'un module, le LFM 420 NAC-S. Donc, c'est tout simplement un module de gestion du système en fait de signalisation, qu'il s'agisse d'une sirène, qu'il s'agisse d'un flash dans un système de sécurité incendie, plus particulièrement ceux décrits par le concepteur ou encore l'équipementier Bosch, voilà donc l'équipement qui gère donc comme ça le système de signalisation, que ce soit sonore ou encore visuel, désolé, voilà en quelque sorte l'équipement qui gère donc ce rôle-là. Donc ici vous pouvez voir là le LSN entrant et le LSN sortant. Là vous pouvez voir le file là c'est pour les cas d'erreur qu'il s'agisse de l'arrivée d'alimentation en batterie ou encore l'arrivée d'alimentation ACI qui est tout simplement le réseau que ce soit EDF ou encore Eneo pour les Camerounais. Et là en bas vous pouvez voir donc les départs du circuit de flasher là en in et en out. Donc là ce sont les départs pour le système de flasher. Et là vous avez le 24 volts donc pour l'alimentation du module du NAC lui-même, c'est donc pas cette sortie 24 volts que l'on alimente. Comme je disais tantôt, c'est donc lui qui gère donc tout ce qui est signalisation visuelle ou sonore dans un système de sécurité incendie décrit par le concepteur Bosch. Et il est bien vrai qu'il peut être utilisé pour des concepteurs tels que Siemens et pour ne citer que ceux-là. Donc en fait dès lors que l'on apprécie un bouton déclencheur ou encore dès lors qu'un détecteur comme celui-ci détecte donc un départ de feu ou encore des particules de fumée, c'est donc la centrale incendie qui donne dans l'autorisation donc l'ordre à ce module de déclencher les différents équipements de notification qui lui sont connectés. Donc je voulais comme ça faire cette petite vidéo pour vous édifier sur le sujet. Toutes vos questions sont donc attendues dans les commentaires et bien évidemment les critiques et suggestions. Passez donc une très bonne fin de journée. À plus.